Salut tout le monde! Comment ça va? Comment allez-vous? Oh là, c'est un peu fort, j'ai l'impression. Comment allez-vous? Faut pas que je crie. Moi, ça va. Ça va, ça va. Je passe un bon début de semaine parce que j'ai sur mon projet de top secret que certains d'entre vous connaissent déjà. Ça avance bien. Ça avance bien. Il y a des choses intéressantes et donc, je suis assez content. Vous allez en entendre parler très bientôt. Parce que je vais le mettre en ligne officiellement très bientôt. Très bientôt, vous allez savoir plein de choses à son sujet. Il y aura des petits, ça sera écrit à droite, à gauche pour faire ma promo et tout. Ça va être super. Ça va être super. Et j'ai hâte. Alors, cette semaine, comme vous avez pu le voir dans le pré-roll, dans l'intro, on va parler de la déco. Oh, tu peux, hein, à 312, il n'y a pas tellement de secrets. Je fais des lives tous les jours à ce sujet. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais. Donc, pareil, il n'y a pas vraiment de secret. Cette semaine, on va parler de la déco, c'est-à-dire qu'on va reprendre ce qu'on a fait la semaine dernière, où on s'était amusé à créer nos premiers morceaux de texte, nos premières structures. Alors, elles étaient toutes légères, mais quand même, nos premières structures. Et on va commencer à mettre un petit peu les coups de peinture. La semaine dernière, on a posé les murs, la charpente, les machins, les trucs, les pièces. Et cette semaine, on va poser le parquet, on va faire un coup de peinture sur les cloisons, poser du papier peint, choisir le carrelage, etc., etc. On va vraiment décorer toutes nos jolies balises. Pour que ça soit joli, pour que ça ait un rendu qui vous plaise. On va y aller tranquille, on va découvrir des fonctionnalités qui sont pas trop compliquées, parce que en fait, avec donc le CSS, qui est la technologie qu'on va utiliser aujourd'hui, on peut faire énormément de choses. On peut tout simplement mettre de la couleur, donc ça c'est trivial. On peut bouger nos éléments à droite, à gauche, et oh, c'est chiant ce autofocus, je suis vraiment désolé. Faire en sorte que nos éléments soient bien positionnés au bon endroit, l'un à droite de l'autre, ou les inverser, etc., etc. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Et on peut aussi faire des animations. Par exemple, faire clignoter un texte, le faire rentrer en fondu, le faire disparaître en slide, etc., etc. Donc tout ça, on ne va pas le voir aujourd'hui. On va y aller mollo. Tout ce qui est animation, tout ça, c'est un petit peu plus compliqué, donc on le verra plus tard. Mais on va quand même essayer de voir, parcourir en tout cas pas mal de choses. Une dernière chose, c'est que le CSS. C'est assez complet. Il y a beaucoup, beaucoup de propriétés, mais vous allez voir qu'on se sert très régulièrement des mêmes. Et au final, quand vous devenez dev web, quand vous commencez à faire du développement web de manière plus régulière, vous vous rendez compte que bah, quand vous ne connaissez pas une propriété, vous allez sur un navigateur de recherche, vous tapez CSS ma balise, donc par exemple, je sais pas, la balise table pour un tableau, plus une propriété qui vous pensez semble avoir un nom correct et vous allez avoir des résultats sur Google pour faire ci ou pour faire ça. Vous allez voir, c'est super facile, complet et ça va être plutôt cool aujourd'hui parce qu'on va avoir des trucs un peu plus marrants à regarder quoi. Donc on reprend, comme la semaine dernière, notre contenu. Alors vous avez remarqué que j'ai repris, donc comme la semaine dernière, une page blanche. C'est toujours un fichier qui est local sur mon ordinateur. J'avais créé un fichier qui s'appelait tuto1.html et j'ai mis du texte. Un en rouge et un en bleu qui est souligné. Et ben, pour faire ce texte, j'ai utilisé le CSS, tout simplement. C'est grâce au CSS qu'on a pu mettre de la couleur. Alors quand vous regardez en dessous, quand vous regardez le code, ici, quand vous regardez le code, on retrouve, si vous vous rappelez, la structure. Donc la structure, elle était composée comme ceci. HTML, pour dire que nous sommes sur une page HTML. Ensuite, on avait une balise head qui commençait ici. Et qui avait une fin, donc ça me faisait un cadre head ici. Vous voyez? À l'intérieur de head, on avait des informations. Donc tout ça, on l'avait pas la semaine dernière. Je vous l'enlève. On avait des informations qui servaient à donner des informations sur la page. Donc là, par exemple, la balise titre qui permet de mettre un titre à votre onglet, alors qu'on voit pas ici, mais qui permet de mettre un titre à votre onglet. Et d'autres informations qu'on va voir juste après. Donc vous occupez pas de ça pour l'instant. Regardez, on s'en occupe pas. La preuve, c'est en commentaire. Puisqu'on avait vu les commentaires à la fin du cours. Écran, c'est un cours ce soir. Exactement. Ce matin, c'était moi qui travaillais. Ah, ma caméra. Ce matin, c'était moi qui travaillais. Et là, ce soir, c'est un vrai cours. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mardis soirs, je donne un cours sur, en l'occurrence, en ce moment, on fait un cycle sur la programmation web, sur apprendre à faire des pages web. Donc ce soir, c'est un cours, exactement. Donc, on avait notre balise head, notre ensemble de balises qui formait le head, et après, on avait le body. Et le body, c'est le corps de notre page, ce qu'on va afficher à l'utilisateur. Ça rame chez vous? Ah, pourtant, normalement, j'ai pas de problème de réseau. Bon, je vois pas, ça doit être. J'ai un beau body. Ça doit être. Ouais, ça doit être chez toi parce que j'ai aucune image de perdu d'après mes stats et tout, donc je pense que c'est chez toi.
suis désolé. Et donc, dans le body, on mettait en place le texte. Donc, vous voyez, on avait deux morceaux de texte. Un morceau que j'ai placé comme ça à l'arrache, qui est aujourd'hui, on met de la couleur, qui n'est pas encadré par des balises ou quoi que ce soit. Et un autre morceau de texte, qui était un paragraphe, et qui disait beaucoup de couleurs. Alors, si je m'amusais, je vais mettre ça aussi en commentaire. Vous vous rappelez, la page de base, elle n'a pas de style. La page de base, elle affiche juste le texte dans une graisse qui n'est pas épaisse, dans un style normal finalement, comme dans un livre ou quoi que ce soit, et en noir sur fond blanc. Pour rajouter du style, on va avoir différentes façons de faire. Et on va les voir. On a trois façons de faire. Rajouter le style directement dans la balise. Rajouter du style pour toute la page dans le head de notre page. Ou rajouter du style grâce à un fichier externe. On va aller voir les trois une par une. Donc ça va être juste déjà les façons de faire pour ajouter du style. Après, on va voir quelles choses on peut faire. Donc je vais remettre mon paragraphe. Et si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on a vu qu'un paragraphe, ça ressemblait à ça. P, P. D'accord? On ouvre la balise avec les chevrons, on met P pour dire paragraphe, et on ferme la balise avec un slash, un symbole divisé, et encore P. D'accord? Une première façon de faire du style, ça va être de dire dans la balise, donc entre les chevrons, au niveau de la partie ouvrante, de faire ça, d'écrire style, pour dire que je veux mettre du style, donc de la décoration, à cet élément. Donc le style qu'on va appliquer, il va s'appliquer uniquement aux choses qui sont dans cette balise. Ça ne s'appliquera pas à l'extérieur. Et ensuite, on va donner les informations de style. Alors le style, comment ça marche? C'est assez simple. C'est des clés et des valeurs. Donc par exemple, on va avoir l'information color, alors en anglais toujours, color, qui va porter l'information de couleur du texte. Par défaut, color, ça vaut noir. Dans le style générique du navigateur, color vaut noir. Nous, on pourrait dire color, deux points. Donc ceux qui se rappellent à la fin du tuto Arduino, on avait vu le JSON, bah là c'est un petit peu pareil. On a une clé, color, et après je lui mets une valeur. En l'occurrence, par exemple, je pourrais dire que mon texte doit être en bleu. Donc en anglais, bleu, ça se dit blue. Donc si je fais ça, la couleur du texte devient bleu. Donc, mon texte est revenu. Et on a vu que la couleur du texte est devenue bleue. Et cette couleur ne s'est bien appliquée que à mon texte qui est dans la balise P. Le texte qui était au-dessus n'a pas changé. Si j'avais mis une balise P ici, et de la même façon, juste une balise P avec du texte, ça n'aurait rien changé. C'est pas parce que c'est une balise P qu'elle va forcément prendre le style. Le style, ici, quand il est appliqué dans l'entête, dans la partie ouvrante d'une balise, ne s'applique que à ce qu'il y a à l'intérieur de cette balise. J'aurais pu rajouter ici un autre paragraphe qui aurait une sorte de sous-paragraphe. Sous-paragraphe. Lui, en revanche, il aurait été concerné. Ah, pardon. Ah, bah, my bad. C'est marrant, je crois. Ah, parce que je suis sur un P peut-être. Haha, l'effet démo. Voilà. J'aurais pu rajouter une balise inline, donc qui n'ouvre pas vraiment un autre truc. Ah, désolé distro. Bah, il y aura le replay de toute façon à la fin de la semaine, comme d'habitude. J'aurais pu mettre une balise inline qui n'ouvre pas du coup un nouveau contexte, un nouveau bloc. Ça ouvre bien qu'un nouveau truc. Et ce n'est pas un style P. Et ce sous-paragraphe aurait lui aussi la couleur bleue. Vous me suivez? Mais le fait tout à l'heure que j'ai fait un nouveau P, ça reprenait pas le style de ce P-là. Ce style-là ne s'appliquait qu'à ce P-là. Maintenant, on peut appliquer plusieurs styles. On pourrait se dire, par exemple, j'ai envie que la couleur de mon texte soit bleue, mais la couleur du fond soit jaune. Allez, jaune. Background. Color. Donc, couleur de fond, en anglais, background, color. Et vous avez remarqué, quand on utilise des outils qui sont un petit peu intelligents, j'ai commencé à taper back, et tout de suite, il m'a proposé... Ah, évidemment, vous ne le voyez pas. Ici, j'ai une petite liste. Alors, je ne sais pas pourquoi les menus contextuels ne s'affichent pas sur le logiciel de capture d'écran. Mais bref, ici, j'avais une petite liste qui me proposait différentes sélections, dont notamment Background Color. Et là, par exemple, on pourrait dire que le fond
doit être en jaune. Et j'ai séparé mes deux propriétés. J'ai séparé mes deux propriétés par un point-virgule. D'accord ? Je sauvegarde, je relance, et hop, mon fond devient jaune. Salut Algrel. Ça marche, je note. J'essaierai de le faire après, j'essaie d'y repenser. Donc là, on a bien une première propriété qui est color, une deuxième propriété qui est le fond, background color, et là encore, ça s'applique uniquement à notre paragraphe. Ok ? Salut Melkorat. Alors c'est bonjour le soir et bonsoir le matin. Non, là c'est Visual Studio, pardon, Sublime Text. VS Code n'a pas voulu marcher, c'est Sublime Text. Salut Hugo. Alors, ça c'était la première façon d'écrire du style. On a vu juste deux propriétés, on va en voir d'autres après. Une deuxième façon de faire, c'est de mettre du style dans le head. Donc, je vais enlever mon commentaire ici, je vais le mettre là. Donc ici, dans ma balise head, je vais décaler comme ça, j'ai créé une balise style que j'ai fermée après. J'ai précisé que cette balise, elle contenait un type qui était texte CSS, un MIME type qui était texte CSS. Je pense que ça marche sans. Si vous faites ça, ça devrait fonctionner aussi. On va le tester tout de suite. Et là, pareil, je peux appliquer mes propriétés. Par contre, vous voyez, ici, pour appliquer mes propriétés, je ne peux plus appliquer ma propriété comme j'ai fait tout à l'heure, en mettant juste color, et on va prendre la même pour que ça soit plus facile à se repérer, color et background color. Ici, il va falloir mettre ce qu'on appelle un sélecteur. Un sélecteur, pour l'instant, on va se contenter d'un sélecteur simple, ça va être le nom, le type de la balise que vous souhaitez affecter. Donc là, par exemple, je souhaite que les balises P aient une couleur rouge et une couleur de fond noire. Ça va pas être super lisible, mais c'est pas grave, ça fera le taf. Je vais juste resserrer un peu pour que vous puissiez voir tout le contenu. Et donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est que toutes mes balises P vont obéir à cette règle, sauf celle-ci qui va écraser les règles précédentes. Alors, je vais l'enlever pour l'instant, pour que vous voyez correctement. Donc là, toutes les balises P, donc ici et là, vont voir la couleur rouge, avoir le texte en rouge, et la texte, la couleur de fond en noir. Donc c'est bien ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé, et maintenant on va pouvoir voir si j'avais laissé ce que j'avais montré tout à l'heure. Tu devras montrer le résultat dans le browser pour que les gens voient le résultat. Bah, c'est un peu pareil, le résultat, le code que tu auras dans le navigateur, ça va être exactement celui que tu as là. Ou alors j'ai pas compris ta question. Vous enflammez pas les gars, on y va tranquille. Et donc si j'avais laissé mon style de tout à l'heure, ça sera la règle qui sera la plus précise qui va s'appliquer. En l'occurrence, celle-là, elle est plus proche de ma balise, donc elle va s'appliquer. Vous voyez, le style global de nos balises P, ça sera la couleur en rouge, la couleur du texte en rouge, et la couleur du fond en noir. En revanche, ici, le style local qui va s'appliquer à cette balise-là, ce sera la couleur en bleu et la couleur de fond en jaune. Ok ? Donc ça, c'est exactement pareil. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, on pourrait aussi avoir, par exemple, dire que nos balises strong, je vais pas la mettre ici, on met de la couleur. Ici, je vais créer une balise strong. Alors, si vous vous rappelez bien, la balise strong, ça permettait de mettre en gras. Et bien, par exemple, ici, j'aurais pu dire que strong, accolade, accolade, dorénavant, sa couleur, ça sera blanc. Ok ? Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Par défaut, tout le texte ici va se mettre en rouge avec fond noir. En revanche, ici, on aura un style particulier qui va s'appliquer. Et voilà. On a notre balise strong qui aura un style particulier puisqu'on a déclaré un style particulier. Est-ce que jusque-là ça va ? Est-ce que pour l'instant vous avez compris le concept du sélecteur, donc qui permet de viser en quelque sorte une balise ? Ici j'aurais pu mettre un espace, hein. Ça n'a pas d'importance au niveau de la syntaxe, faut juste qu'on ait les accolades ouvrantes et fermantes. On a un sélecteur
On a une propriété et on a une valeur. D'accord? Sélecteur, propriété, valeur. On peut l'appliquer dans l'entête, dans le head, ou alors on peut l'appliquer localement. On va voir la troisième façon d'avoir un style. Je vais l'enlever d'ici. Donc ici, on va se remettre comme on était. Et la dernière façon d'avoir du style, c'est de séparer complètement notre style dans un fichier à part. Donc j'ai créé un autre fichier sur mon ordinateur qui s'appelle style.css. Le fichier style.css, je l'ai placé juste à côté de mon fichier tuto1.html. Et maintenant, dans ma page web, dans le head, donc dans la partie d'en-tête, je vais rajouter une nouvelle balise qui s'appelle la balise link. La balise link, en français, ça veut dire lien. Ça va vouloir dire au navigateur que il faut aller charger le contenu d'un fichier extérieur, en quelque sorte, à cette page. Le contenu d'un fichier qui est à côté. Là, on va lui dire d'aller chercher un contenu de type texte CSS, donc un type CSS, quoi. C'est le type MIME du fichier CSS. Que ce fichier, il a pour adresse href, ça veut dire adresse en français. Retenez-le comme adresse. Je vais vous le mettre en commentaire, parce qu'on va le retrouver fréquemment href. Href égale adresse destination chemin, c'est pas mal aussi comme href, ça va être le chemin, et le chemin du fichier, ça va être style.css. J'ai mis juste son nom parce que le fichier, il est placé juste à côté sur mon bureau. J'ai tuto 1 et j'ai style.css, ils sont tous les deux dans le même dossier, d'accord. Donc j'ai juste mis ça, et avant il y avait un rail qui s'appelle stylesheet. Ça sert juste sémantiquement à dire que là, grâce à cette balise link, on va charger un fichier de type feuille de style qui va nous permettre de modifier le style. Donc ça va nous permettre de charger une feuille de style qui est à l'adresse style.css, donc qui est juste à côté. Et dans ce fichier style.css, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre un sélecteur, donc en l'occurrence par exemple strong, et ce sélecteur, je vais pouvoir modifier des propriétés. Une propriété couleur, et la couleur sera blanche. Si je recharge la page, on voit qu'on obtient exactement le même résultat. Donc là, on a trois mises en forme qui sont faites à trois endroits différents. La mise en forme de la balise strong en blanc ici, la mise en forme du premier paragraphe, enfin de tous les paragraphes, mais là il y a en l'occurrence que le premier qui sera rouge et noir ici, et une mise en forme locale d'un paragraphe qui sera faite ici. Trois façons de faire. Il n'y a pas nécessairement de bonnes ou de mauvaises façons de faire, disons qu'elles vont toutes être adaptées à différents cas de figure. En général, pour le style global de votre page, vous allez créer un fichier externe. Vous allez créer un fichier par convention qu'on nomme style.css. Mais j'aurais pu l'appeler n'importe comment, j'aurais pu l'appeler déco.css, que ça marche aussi. L'important, c'est juste qu'il soit bien nommé. Donc, par convention, on l'appelle souvent style.css. Donc, votre style global, en général, vous le mettez là-dedans. Si vous avez plusieurs pages dans votre site internet et que vous avez des pages qui ont juste quelques morceaux de style à changer pour toute la page, vous pouvez créer une balise style dans l'en-tête de cette page-là en particulier. Et si vous voulez modifier le style en particulier uniquement d'une seule balise, alors dans ces cas-là, l'idéal, c'est de modifier comme ça localement votre style. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que pour l'instant, ça vous paraît cohérent? Est-ce que ça vous paraît normal? Le côté sélecteur, propriété et valeur. J'espère que oui. Alors pour les gens de YouTube, hein, vous posez des questions dans les commentaires parce que évidemment, vous n'êtes pas là pour poser vos questions. Fallait être là. Alors, changer la couleur du texte, c'est bien joli, mais c'est pas exceptionnel. Des propriétés, comme je disais tout à l'heure, il en existe un paquet. Donc on va en voir quelques-unes. Par exemple, on sait que la balise P, c'est une balise de type bloc. Si sur le navigateur je fais examiner l'élément, on voit que ma balise P, elle représente tout le bloc qui va de là et qui va jusqu'à fond sur le côté de la page. Vous voyez, ça fait toutes ces parties-là. Alors que la balise strong, qui est une balise inline, elle a que cette taille-là. Grande taille, petite taille. Une première chose qu'on peut faire, je vais virer l'inspecteur. Une première chose qu'on peut faire, c'est de modifier la largeur de notre balise. Donc par exemple, je vais me remettre ici.
On pourrait dire que dorénavant, les balises P, donc toutes les balises de type paragraphe, dorénavant, elles auront une largeur, donc en anglais width, qui sera de 50% du conteneur par an. Donc en gros, là, le conteneur par an de ma balise P, c'est le body. Le body, c'est toute la page que le navigateur nous offre. Donc là, on va dire que dorénavant, toutes les balises de type P, tous les paragraphes, prennent une largeur, point, prennent une largeur de 50% de la largeur du body, puisque c'est le parent directement. Donc là, par exemple, on voit que la largeur de ma balise P, elle a été réduite de moitié. Comme ici, je n'altère pas cette propriété, elle prend la propriété, elle hérite de la propriété qui était ici. Donc vous voyez, ici j'ai 50% de la balise par an. Cette largeur, on peut aussi l'exprimer en pixels. Donc par exemple, je pourrais dire que la largeur, c'est 250 pixels. Px pour pixels. Et donc là, on a une largeur, on peut s'amuser à vérifier, on a une largeur de 250 pixels par 18 pixels de haut. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Modifier la largeur de mon texte. La largeur de mon paragraphe, pardon. De la même façon, on peut imposer une hauteur avec height. Par exemple, on peut dire que tous mes paragraphes doivent avoir une taille de 25% du body. Donc 25% de la surface de ma page. Mais comme ici, mon texte n'a pas besoin de prendre toute cette place-là, eh bien il prend le strict minimum. Il ne s'étale pas en hauteur. On ne s'attendait pas. Hein. Et donc pour ça, on a aussi le min height et le max height, qui vont nous permettre d'imposer des limites. Le min height va dire qu'il faut qu'on soit au minimum à 25%. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'applique. Bah, alors là, je suis surpris. J'aurais été persuadé que ça aurait dû s'appliquer. Mais dans ce contexte-là, ça ne s'applique pas. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'inspecteur ici, vous pouvez l'afficher en faisant clic droit et examiner l'élément. Et donc du coup, vous pouvez après vous promener sur les différents éléments et aller voir les différentes propriétés et les activer ou les désactiver. C'est assez pratique. Je ne me rappelle plus pourquoi... Hop là. Pourquoi la hauteur a plus de liberté que la largeur? Sachez juste que ça existe. C'est important. Ça pourra servir. Ça sauve des vies. Une autre truc qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le padding. Le padding, ça va être la notion de rajouter de l'espace à l'intérieur, et là c'est important, à l'intérieur de la chose qu'on a sélectionnée. Donc là par exemple, on a tout notre contenu en noir ici, c'est notre paragraphe. Et bien si je veux qu'à l'intérieur de mon paragraphe, tout le contenu à l'intérieur de mon paragraphe soit à une certaine distance de ce paragraphe-là, des bords de ce paragraphe, dans ces cas-là, je rajoute du padding. Par exemple, je peux mettre 50 pixels de padding. Si je mets 50 pixels de padding, alors ici, tout mon texte, il va avoir une distance du haut, de la gauche, du bas et de la droite de 50 pixels. Donc vous voyez, ici, dorénavant, j'ai mon paragraphe, et mon texte ici, il est à 50 pixels en padding à gauche, en 50 pixels en padding en haut, 50 pixels en padding en bas, et 50 pixels à droite, mais comme il ne va pas jusqu'à droite, ça ne se voit pas. Et quand je surligne mon élément, on voit que effectivement, il y a toute une zone violette qui s'affiche, et la zone violette, c'est le padding de votre élément. Pour écrire le padding, bien souvent, on a plusieurs façons d'écrire des propriétés. Par exemple, pour le padding, vous pouvez écrire soit une seule valeur, qui va dire que le padding doit être le même sur les quatre côtés, ou par exemple, deux valeurs. Donc par exemple, 50px et, on va faire exprès d'en mettre un peu plus forcé, 50px et 10px. Et dans ces cas-là, on aura la première valeur qui va correspondre en haut et en bas, et la deuxième valeur qui va correspondre à droite et à gauche. Vous voyez, en haut et en bas, on a toujours 50px, et à gauche et à droite, on a 10px de chaque côté. On aurait aussi pu s'amuser à forcer
avec, en précisant encore plus, avec padding right, par exemple, on aurait pu dire qu'à, pardon, on va prendre le left pour que ça se voit bien, qu'à gauche, padding gauche, il faut que ce soit, par exemple, 100px. Et là, dans ces cas-là, mon texte, il va se barrer un peu plus. Donc, on a 50 en haut, en bas, 100 à gauche, et 20, j'avais dit combien? Et 10 à droite. Si je regarde, ça donne ça. Pour qu'on voit bien, j'aurais pu mettre carrément 200, si vous voulez. Vous voyez? Ça pousse. Dystrophine, ça lag toujours. Bah, du coup, ça doit venir de ta connexion, hein. Parce que ici, on a droppé 0 frame. Donc, apparemment, tout marche bien, quoi. Je suis vraiment désolé pour toi, pour le coup. Toi qui fonctionne bien d'habitude. Donc ça, c'était pour le padding. Je vais le remettre juste un tout petit peu. Donc le padding, c'est les marges internes à l'élément. Un deuxième mécanisme de marge, c'est les marges externes à l'élément. Ce qu'on appelle le margin. Margin, ça va être, ça fonctionne comme le padding, mais ça va être par rapport à l'extérieur de l'élément. Si vous superposez deux éléments, le margin va décaler, va permettre de décaler l'élément suivant par rapport au précédent, etc., etc. Je vous montre, ça sera, c'est plus clair quand on fait, quand on montre. Si je mettais pas de margin, admettons je l'enlève, si j'en mets pas, vous voyez, mes éléments sont placés comme ceci. Vous voyez l'espèce de zone jaune là qu'on voit, c'est le margin initial. Il y en a un petit peu en haut, un petit peu en bas, pas à gauche et pas à droite. Bien, si je rajoute du margin, donc par exemple 50 pixels, on voit que mon élément il s'est décalé et qu'on a une zone jaune qui est apparue quand je surligne. La zone jaune elle n'apparaît pas d'habitude, hein. Mais quand je surligne, on voit qu'il y a une zone jaune. Et cette zone jaune, c'est mon margin. Et donc vous voyez, à l'intérieur, ça n'a pas influencé. J'ai toujours juste 10 pixels en haut, à gauche, en bas et à droite. En revanche, maintenant à l'extérieur, mon élément par rapport au précédent, etc., par rapport à tout ce qui l'entoure, il impose d'avoir une zone de confort de 50 pixels. Et donc on ne peut pas être plus proche de cet élément que de 50 pixels. En réalité, on peut. Il y a toujours moyen de tricher. Mais voilà, on ne peut pas être plus près que de 50 pixels. Là encore, je ne l'ai pas noté, je ne vous l'ai pas dit, mais on aurait pu aussi l'écrire en pourcent. Donc là, on est, c'est équivalent à 10% de la hauteur de la page. Voilà, c'est tout. Alors ça dépend de votre cas d'utilisation. Des fois, c'est plus pratique de parler en pixels, des fois, c'est plus cohérent de parler en pourcent. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez faire. Donc là, par exemple, on peut avoir un padding de 10 et un margin de 25. Donc le padding, encore une fois, pousse le contenu à l'intérieur et le margin pousse le contenu lui-même par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les couleurs, ah oui, je vous ai montré rouge tout à l'heure comme ça. On va pas s'amuser à prendre toutes les couleurs par cœur. Pour les couleurs, on a plusieurs notations. Donc on avait celle qui est en littéral, comme ça, en tapant un nom de couleur. Alors il en existe un paquet. Je ne les connais pas toutes tellement il y en a. Il y en a vraiment un paquet. C'est rare de ne pas avoir une couleur quand on tape une couleur. Enfin, si vous connaissez le nom des couleurs en anglais. Et aussi une façon de la noter qui s'appelle la façon hexadécimale. Alors pour ceux qui étaient là quand on a fait la petite boule colorée qui est là, on a vu justement la notion hexadécimale parce que vous pouvez piloter la couleur de la boule grâce à un code hexadécimal. Alors le code hexadécimal, sa notation, c'est comme ceci. Un premier bloc de deux caractères qui va définir la quantité de rouge. Un deuxième bloc de deux caractères qui va définir... pardon, red, green, blue. La quantité de vert, excusez-moi. Red. Non, je me trompais pas. Je sais pas pourquoi j'ai changé. La quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu. Chaque lettre peut aller de 0 à 9, puis de A à F. Et donc ça peut prendre 16 valeurs. 0 à F, ça peut prendre 16 valeurs. A vaut 10, B vaut 11, ta. Et donc, par exemple, on pourra avoir FF pour dire à fond du rouge, ou 0,0 pour dire pas du tout de rouge. Ou alors, la moitié, ça serait 7F, par exemple. Donc là, on va dire qu'on veut, par exemple, pas de rouge, du vert à gogo, et un petit peu de bleu. Donc là, ça va nous faire une couleur peut-être dégueulasse. Alors, comme il y a beaucoup de vert, ah, et puis ouais, le bleu et le vert, en ce moment-là, ça se marie bien, on va dire un peu de rouge, tiens. Un peu de rouge, un peu de vert, beaucoup de vert, pardon, et pas de bleu. Bon, ça fait toujours que le vert, on le voit beaucoup trop. On va diminuer un peu la quantité de vert, histoire que ça se voit mieux. On a un mix. Voilà, on a un vert un peu plus dégueulasse. Et on aura pu mettre du bleu.
Pourquoi pas? Ouais, le bleu du coup il prend trop la place. Mais donc vous pouvez faire des couleurs comme ça en composant vos couleurs avec les différentes lettres et les différents caractères. Si vous n'êtes pas familier avec cette écriture là, dans ces cas-là, c'est pas un problème. Vous avez l'écriture RGB. Encore une fois, rouge, vert, bleu. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir mettre la quantité de couleurs en allant de 0 à 255 par valeur. Donc 0 à 255 pour le rouge, 0 à 255 pour le vert et 0 à 255 pour le bleu. Donc par exemple, si vous voulez la moitié de rouge, la moitié de vert et la moitié de bleu, vous faites 127, 127, 127, qui est la moitié de 255. Et vous aurez du gris. Si vous voulez beaucoup de rouge et un petit peu des autres, vous mettez 255 et un petit peu des autres. Et vous aurez un espèce de saumon. Alors, petite astuce, si vous voulez jouer avec les nuances de gris, sachez que à partir du moment où vous avez les mêmes valeurs pour le rouge, le vert et le bleu, vous aurez forcément du gris. Plus les valeurs vont être élevées, plus vous aurez un gris qui va être clair. Et plus vous aurez des valeurs basses, et plus votre gris va être foncé. Donc là, le texte existe encore, on le distingue d'à peine. Peut-être était un peu fort, mais vous avez un gris qui est juste très foncé, jusqu'à 0,00 qui correspond à du noir. On va remettre un truc un peu plus violent. 200, 200, 0. Ça donne quoi ça? Ok. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de transparence, vous pouvez rajouter un dernier morceau en écrivant RGBA. Donc RGB pour rouge, vert, bleu, et A pour ce qu'on appelle le canal alpha. Alpha, ça veut dire transparence. Alpha, c'est la transparence. Et donc la transparence, elle va être entre 0 et 1,0. Donc en gros, elle prend une valeur avec une virgule pour dire que entre 0 et 1, ça fait des pourcentages. Donc par exemple, 0,7, ça va être pas trop transparent. 0,1, ça va être beaucoup transparent. 0, ça veut dire totalement transparent. On voit à travers. Donc si je fais 0, on voit à travers, la couleur de fond c'est noir, donc on voit la couleur de fond. Si je fais 1, dans ces cas-là, on ne voit pas à travers et on met la couleur d'origine. Et si je faisais à la moitié, ma couleur, elle va se mixer. Ma couleur, elle va se mixer avec la couleur qui est derrière. Donc là, on ne voit pas trop parce que sur du noir, évidemment, ça marie pas trop les couleurs. Mais vous pouvez savoir que voilà, on peut écrire les couleurs comme ceci. RGB et A pour l'alpha. Et si vous voulez pas de transparence, bah, vous ne mettez pas de transparence. Ça sera exactement pareil. C'est comme si vous aviez RGBA avec le 1 à la fin, sauf que vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à l'écrire. Donc, ici, exactement pareil, vous pouvez écrire avec du RGB. Par exemple, on aurait pu faire comme ça. On change la couleur. Ok, merci Melkorat, c'est une bonne. C'est peut-être une solution tout à fait valable pour les problèmes de dystrophisme. J'espère qu'il est encore là pour l'avoir vu. Alors, c'est déjà pas mal, non? On a fait de la coloration, c'est plutôt cool. Alors maintenant, on va rentrer dans un truc qui va être un tout petit peu plus costaud. Alors vous avez compris, hein, on peut s'amuser à colorier n'importe quel élément. Donc là, je fais juste du coloriage et du changement de padding margin. Mais vous pouvez faire ça sur absolument tous les types de trucs. Sur des P, sur des balises inline. La semaine dernière, je vous avais parlé des divs. Ce sont des sortes de balises anonymes. C'est des balises blocs, mais anonymes. Vous auriez pu faire aussi couleur vert ici. Donc là, j'aurais pu écrire div path color vert. Et donc ça a mis mon texte en vert. Ça n'a pas mis de margin ou de padding parce que bah, j'en ai pas déclaré pour la div, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on va voir un autre petit truc. Alors, je vais enlever tout ça et je vais en mettre deux éléments. On va les renommer. Un premier élément. Premier élément. Et un second élément. On va juste contenter des paragraphes. Donc, si je fais juste ça, on a nos deux éléments qui sont identiques. Je vais remettre une couleur de fond en noir et une couleur
en blanc, par exemple. Donc là, nos deux éléments ont exactement le même rendu. Ok ? Maintenant, imaginons, je veux avoir un rendu différent, mais... Alors, si je veux avoir un rendu différent, la première solution, c'est de faire style et modifier mon rendu. Bon, pourquoi pas. Par contre, imaginons, je veux que mon second élément et mon troisième élément, par exemple, et mon troisième élément aient le même style. Je veux un style global, mais je veux que mon second élément et mon troisième élément aient le même style, qui ne soit pas pareil que le style global. Pour l'instant, j'ai pas le choix. Tout le monde fait ça. Maintenant, si je voulais que le texte il soit en bleu, par exemple, ici, je pourrais écrire style, color, blue. Je pourrais écrire style, color, blue, et le recopier ici. Alors, en informatique, on va mettre du jaune. Ou du vert. C'est toujours visible, le vert. Notre œil est sensible au vert, ça se voit toujours bien. Puis ça vous rappellera mon joli vert. Le truc qui est pénible ici, c'est qu'on veut se faire un copier-coller et que un beau jour, on aura un texte qui va faire 1000 lignes, on voudra copier le truc, on va pas se souvenir d'où on l'avait mis, ou alors on va le copier à un endroit, on va oublier de le changer à un deuxième endroit, notre page va devenir moche, etc. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle une classe à notre balise. Une classe, ça nous permet de dire que dorénavant, cette balise-là, elle a aussi un attribut qui s'appelle une classe, et qu'on pourra modifier dans le CSS grâce à ça. Ça va rajouter un sélecteur, si vous voulez, à notre élément. Donc là, par exemple, classe, je pourrais l'appeler style vert. On met ce qu'on veut. Hein. Le nom de classe, vous mettez absolument ce que vous voulez. Par défaut, la classe, elle ne sert à rien. Voilà. Si je fais juste ça, classe style vert, il ne se passe rien. Tout le monde a la même chose. En revanche, dorénavant, j'ai accès dans mon CSS, je peux rajouter un sélecteur qui est sous la forme suivante. Point style vert, donc le nom de ma classe, style vert, et là je peux faire des modifications. Là par exemple j'aurais pu faire color vert. Et dorénavant, tous les éléments qu'ont cette classe là seront modifiés en même temps. Donc vous voyez, j'ai mon style global qui est appliqué à tout le monde, puis j'ai un style plus précis qui est appliqué à ceux qui ont la classe style vert. D'accord ? Et je peux en mettre plusieurs. J'aurais pu mettre style vert, souligné. Souligné. Et donc dans ces cas-là, je peux rajouter une classe souligné. Et là, on va faire un texte. Text decoration, underline. Donc en anglais, underline, ça veut dire souligné. Donc je rajoute une décoration de texte. C'est comme ça que la propriété s'appelle. Et cette propriété, je lui donne la valeur underline. Et bien dans ces cas-là, ici, j'aurai du blanc. Ici, j'aurai du blanc. Ici, j'aurai du vert, puisqu'ils ont tous les deux la classe style vert. Et ici, j'aurai du souligné, puisque j'ai aussi la classe souligné. Et voilà. C'est dommage que ça soit du... Alors, Arusnak, bonjour à toi. Salut, c'est dommage que ça soit du HTML. La plupart du temps, sur les vidéos YouTube concernant la programmation, je m'endors directement. Alors que toi, c'est le contraire. Connais-tu par hasard un site français-anglais qui donne des exercices en Lua ? Pas du tout. Et moi-même, j'en ai jamais trop fait, donc j'ai jamais recherché ce genre de ressources. Donc je suis vraiment désolé, je sais pas. Par contre, je t'invite à passer sur Discord. On a pas mal de monde qui programme dans des langages un peu ésotériques. Et le Lua, je pense qu'ils doivent en savoir un peu plus. Un peu plus que moi, en tout cas. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent connaître. Donc n'hésite pas à y faire un tour. C'est pas pour faire la promo, c'est vraiment, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont capables de te répondre. Salut Jean Paz. Donc voilà, on a rajouté un sélecteur, donc vous voyez, on a un sélecteur ici et un autre là. Et un truc qui est pas mal, c'est que on aurait pu aussi faire ça. Là, notre classe P, elle aurait pris ces valeurs là, et elle aurait pris, elle aurait rajouté la valeur soulignée. Si je fais le rendu, on a vu que ici, on avait le souligné, mais on n'avait pas le style vert, parce qu'on n'avait pas la classe style vert. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que est-ce que ça a été cette combinaison d'éléments, cette combinaison de classes ? Les classes, c'est super important parce que vous les allez les retrouver super souvent. Mais vraiment, vraiment, très, très, très fréquemment. Et du coup, c'est très pratique parce que si vous savez que vous avez des éléments qui doivent se comporter stylistiquement de la même façon, eh bien, plutôt que d'écrire un style local, vous leur rajoutez une classe, vous la nommez correctement,
Et derrière, vous rajoutez dans votre CSS, donc que ça soit ici dans le style ou dans une page qui s'occuperait de gérer le style. Donc on aurait pu mettre une... Ah, pardon. Hop. Je me rappelle plus comment on fait view et je vais split en deux. Layout, voilà, colonne 2. Voilà. J'aurais pu très bien aussi mettre tout ça, comme tout à l'heure, dans mon fichier à côté. Oups. Voilà. Ou presque, pas encore, voilà. Voilà. J'aurais pu avoir ça dans mon fichier à côté, plutôt que d'encombrer ici. Et ça aurait fait exactement pareil. Comment on peut virer le wrap? Oh, je suis plus habitué à ce logiciel, c'est terrible. Voilà. Pas du tout. View, wardrop. Voilà. Ouf, voilà. Comme ça, vous verrez les deux choses en même temps. Ça sera plus facile. Vous avez donc le CSS d'un côté et l'HTML de l'autre. Et là, vous voyez que ça s'applique toujours pareil. Hein. C'est juste mis tout dans mon fichier à côté. Comme ça, on peut voir les deux en même temps. Ouais, c'est bon, ça dépasse pas. Hop. Donc ça, c'était pour les sélecteurs. Avoir des sélecteurs un peu plus précis. Et ce que vous pouvez faire, de temps en temps, vous pouvez avoir des conflits dans les styles. Vous pouvez essayer de rajouter quelque chose comme ça. P.style vert doit avoir la couleur vert. Alors, P. on va l'appeler par exemple, on va le renommer, je vais l'appeler couleur. Style vert, ça va s'appeler couleur. En revanche, qu'est-ce que je vais faire comme style? J'aurais pu mettre par exemple, ici, j'aurais pu mettre un span. On va mettre un strong, allez. Strong. Un texte gras. Voilà. Oh, pff, je rafraîchis dans OBS, ça marche pas du tout ça. Voilà, un texte gras. Et ce texte gras, ça boit une balise inline, j'ai le droit de lui rajouter des éléments. Donc, j'ai le droit de dire que lui aussi c'est de la couleur. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Mon texte gras, il aura aussi de la couleur. Ok? Alors attendez, pourquoi c'est pas affiché? Voilà. Tout le monde est en vert. Mais maintenant, je peux exiger que la couleur soit verte sur les paragraphes et que la couleur soit rouge, red, sur les balises de type strong. Bah, pourquoi ça marche pas? Pardon, sélection dans le sens. Je fais tellement plus assez de CSS dans ma vie. Non? Bah. Alors là, je suis sur le cul. Je puis dire, si je puis me permettre. Attendez, j'ai pas rêvé. Classe couleur, classe couleur. Pourquoi il me fait ça? Bah oui, c'est bien ce que je lui demande. Bah tout à l'heure j'avais bien fait pareil, pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure? Non? J'avais pas fait ça tout à l'heure? J'étais persuadé d'avoir fait pareil tout à l'heure. Bon. Alors vous voyez que du coup, en rajoutant le nom de la balise, le type de la balise, on peut sélectionner avec la classe en plus et donner un style particulier en faisant un sélecteur qui est plus complexe. Au lieu d'avoir un sélecteur qui était juste sur le type de la balise ou sur la classe qui était associée à la balise, dorénavant, on a un sélecteur qui mélange à la fois le type de la balise et la classe. Donc là, on a un sélecteur pour tous les paragraphes qu'ont la balise, qu'ont la classe couleur, et là, toutes les balises strong qu'ont la classe couleur. Et on applique une couleur différente dans un cas ou dans l'autre. J'avais mis un espace tout à l'heure? Ouais, mais je pensais qu'au tout début, j'avais fait comme ça. Bon, bah très bien. Je m'ai trompé. Ok, très bien. Bon, bah, je pensais pas l'avoir... Je l'ai pas vu. Ça doit être la fin de journée, c'est la fatigue. Je l'avais point vu. Ok, bon, bah, merci de la remarque. Donc ça permet de faire des sélecteurs
un chouïa plus complexe, mais pas beaucoup, pas beaucoup, beaucoup plus. Alors, il est 22h04. Je surveille parce que faut quand même que je vous laisse dormir un moment. Qu'est-ce qu'on peut voir qui soit pas trop overwhelming? Vous vous souvenez, je vous avais dit que les balises P, c'était des balises qui sont de type bloc. Donc ça veut dire que après la balise, automatiquement, on revient à la ligne. Même si j'avais une largeur qui n'était pas très grande, par exemple 40%, automatiquement, on revient à la ligne. Par exemple, là, on aurait pu imaginer en mettre deux l'une à la suite de l'autre. On va faire même comme ça. On aurait pu avoir toutes les balises les unes à la suite de l'autre, après tout on a la place, mais comme ce sont des balises de type bloc, ça impose un retour à la ligne. Et bien sachez qu'avec la propriété display, on peut changer ce comportement. Par défaut, donc pour les par défaut, pour ce type de balise, ça exige, c'est un type bloc, mais on aura pu le transformer en inline en disant que dorénavant, toutes les balises P auront une façon de s'afficher qui soit en ligne. Et donc dans ces cas-là, elles vont toutes être en ligne. Donc là, on remarque qu'on a un problème de comportement à cause du margin, et on aurait pu dire que ce sont en ligne, mais avec un peu un comportement bloc. Autrement dit, on ne va pas pouvoir faire de retour à la ligne dedans. Et là, on retrouve correctement notre margin qui réapparaît, puisque ce ne sont plus des vrais en ligne. Ce sont des en ligne avec quand même un comportement vis-à-vis du bloc, vis-à-vis des choses de bloc qu'elles ont autour d'elles. Donc ça, c'est important de le savoir, ça peut être pratique. Une dernière chose, une dernière bricade, une bricole. Alors, je vais remettre comme c'était. Ici, je vais rajouter une classe qui va être second pour le deuxième élément. Alors, il y aura une manière plus intelligente de le sélectionner, mais je vais faire comme ça pour l'instant. Je vais sélectionner la cellule qui est second et je vais modifier la façon dont elle va s'afficher. Dorénavant, celle-ci, au lieu de s'afficher à l'endroit où elle est censée être, je vais m'amuser à la bouger dans la page. Donc, l'élément second, dorénavant, sa position, au lieu d'être là où elle est censée être, elle va être par exemple absolue. Donc ça veut dire que je vais la positionner de manière absolue par rapport à son parent. Donc là en l'occurrence son parent, elle est ici, son parent ça va être le body. Donc là je vais la positionner par rapport à son parent. Donc je vais dire par exemple que sa position, elle doit être à 0, donc elle doit s'orienter tout en haut, elle doit se placer tout en haut, et elle doit se placer par exemple tout à gauche. Donc là le second élément, il va partir d'où il est, et il va partir dans le coin en haut à gauche. Voilà, il est en haut à gauche. Alors, comme il a un margin, évidemment, ça ne se voit pas de manière super franche. On va virer pour cet élément-là le margin, comme ça se verra de manière plus explicite. Hop, et voilà, mon élément, il est parti tout en haut à gauche, par rapport au body. S'il avait été inclus dans quelque chose d'autre, il aurait été tout en haut à gauche de ce quelque chose d'autre. Il se sera décalé à l'intérieur de cet élément. On est vraiment par rapport au parent. Si on voulait être tout le temps par rapport au body, on fait une position fixe. Et dans ces cas-là, il ne bougera plus. Quand je fais position fixe, même si j'avais 12 000, même si j'avais 12 000 éléments qui me permettraient d'avoir un truc pour un petit ascenseur pour défiler, même si je descends, vous voyez, comme il est fixe tout en haut à gauche, eh bien, il ne bouge pas. J'aurais pu le mettre fixe en étant un petit peu au milieu. Et donc, il reste toujours plaqué au milieu. Donc ça, ce genre de choses, c'est pratique pour avoir, par exemple, une en-tête fixe sur votre page. Ou alors pour avoir un menu sur la gauche qui reste là tout le temps, qui va tout le temps être là. Ou des choses comme ça. Par contre, vous avez remarqué que quand il est fixe, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez peut-être remarqué, que quand il est fixe, il se superpose aux éléments d'en dessous. Donc ça, il faut le prendre en compte. Il faudra penser à décaler tout le monde de la taille de cet élément-là pour pas que les autres passent en dessous. Sinon, bah, enfin, pour pas tout du moins que le premier il passe en dessous, sinon on ne le verra jamais le premier. Ça pourrait être gênant. Et sinon, il y a aussi une position qu'on utilise un petit peu moins souvent, qui est la position relative. La position relative, elle nous permet de nous placer par rapport. Alors, je vais remettre la marge pour qu'il soit comme les autres. La position relative nous permet de nous placer par rapport à sa position initiale. Donc là, sa position initiale, elle est ici. Si je lui dis qu'il doit être décalé de 10 px
sur la droite, eh bien, par rapport à sa position initiale, il va se décaler de 10 pixels. Si je voulais le décaler d'un peu plus, on aurait pu le décaler de 25 pixels. Par rapport à sa position initiale, il va se décaler de 25 pixels. Et de la même façon, par rapport à en haut, je pouvais le décaler, par exemple, de 25 pixels aussi. Et là, du coup, sa position initiale, il est là. Il prend de la place à cet endroit-là, mais en termes de rendu, il est rendu un petit peu plus loin à droite et un petit peu plus loin en bas. Il se décale comme ceci. Et j'aurais pu faire pareil à partir du bas. Au lieu de dire qu'il se décale de 25 pixels à partir du haut, à partir de la ligne du haut, eh bien je lui dis qu'il se décale de 25 pixels à partir de la ligne du bas. Hop, et donc du coup, normalement, il était posé en bas ici, il a pris 25 pixels vers le haut. Et j'aurais même pu m'amuser à le faire en négatif. Et donc il y a bottom et top, et il y a bien sûr gauche et droite, donc left et right. Ouh, ça c'était pour les positions. Je peux vous les laisser. Un sacré morceau, hein. Voilà. Ça c'était pour les positions. Alors ça fait déjà un bon morceau, on a déjà vu pas mal de choses. Il y a un dernier truc, tant qu'à être rendu à mettre de la couleur, il y a un dernier truc que je voulais évoquer, que j'ai pas pensé à évoquer, qui s'appelle la bordure. La bordure, elle prend plusieurs paramètres, et elle permet de faire un cadre autour de vos éléments. Donc la bordure, elle prend d'abord un premier paramètre, qui va être la largeur de ce cadre. Donc, par exemple, 4 pixels. Ensuite, elle va prendre un deuxième paramètre, qui va être la façon de représenter cette bordure. Donc par exemple, solide, pour dire qu'on veut un trait qui sera de 4 pixels de large. Et enfin, une couleur. Donc là, on voit une bordure, par exemple, rouge. Voilà, gueule. Et là, tous mes P vont avoir une bordure rouge de 4 pixels qui est solide. Vous voyez? Si j'avais modifié la taille à 10 pixels, dans ce cas-là, on a une taille qui est beaucoup plus grosse. Solide, on aura pu mettre... Il en existe d'autres façons de le représenter. Je ne vais pas toutes vous les lister, pareil. Un coup de Google et vous les retrouverez. On aurait pu avoir dashed, vous voyez, qui vous fait des petits traits comme ceci. Donc c'est différentes façons de représenter. On peut faire des animations sur la bordure, etc., etc. Je vais pas les présenter aujourd'hui parce que ça représente du taf. Ça viendra petit à petit. La bordure, on aurait pu changer sa couleur évidemment, etc., etc. On peut accéder à chacune de ces propriétés de manière, enfin, une à une par exemple, pour modifier que la couleur. Je fais border couleur, et là j'aurais pu mettre par exemple rouge. Donc ça revient exactement au même. Je ne l'ai pas précisé ici, dans cette déclaration là, je l'ai juste précisé ici. J'aurais pu préciser aussi la largeur, j'aurais pu la préciser ici. Ça aurait été pareil. Par défaut on veut une bordure qui est en pointillé, et ensuite on précise les éléments. Donc ça peut être pratique d'accéder aux éléments 1 à 1 de manière individuelle, si par exemple on veut les modifier. Par exemple, juste ici, dans cet élément-là, je voulais une bordure qui soit verte. Dans ces cas-là, au lieu de modifier toute la bordure, je modifie que sa couleur. Là, j'ai bien modifié que sa couleur. Donc ça, c'est pour la bordure. C'est tout sympa. Ça permet de faire des bordures. Une dernière chose. Une dernière chose, et après j'ai fini, ça fera une heure. Ce sera parfait. Une dernière chose, qui va juste être introductive. Tous les éléments HTML... ils ont des trucs qu'on va appeler, comment on pourrait appeler ça? Ils ont des pseudo-sélecteurs, des pseudo-sélecteurs. C'est-à-dire que c'est des sélecteurs qui s'activent selon un certain contexte. Un contexte qu'on retrouve très fréquemment, c'est quand on va passer par exemple notre souris sur un élément. Quand vous allez passer la souris sur un élément, ce dernier va avoir un contexte de surlignement. Et ce contexte, ça s'appelle en anglais le hover. Hover, ça veut dire soulignement. Et pour accéder à cette propriété, en CSS, on peut faire comme ceci. Prendre le nom de notre élément et lui dire que lorsque cet élément il est hover, donc il est survolé, dans ces cas-là, on modifie une propriété. Par exemple, ici, on pourrait modifier la couleur de background pour la mettre en gris. Donc dorénavant, quand mon paragraphe, je vais le survoler avec ma souris, dans ces cas-là, le background va devenir gray, va devenir gris. Et dès que ma souris quittera l'élément, qui ne survolera plus, dans ces cas-là, le background va redevenir noir. Hop. Hop.
Je survole, ma souris elle est dessus. Dans ces cas-là, ça devient gris. Je m'en vais, ça redevient noir. Là encore, on aura pu l'appliquer avec un contexte particulier. Par exemple, pour que dès qu'on va survoler une balise P, qui a en plus la balise, la classe couleur, dans ces cas-là, cette balise va devenir verte avec une bordure verte. Donc par défaut, ça prendra le même style que l'autre, mais dès qu'on va survoler, puisqu'en plus il y a l'élément couleur, ça va fonctionner. Et sur les autres, ça fonctionnera pas puisqu'il n'y a pas la classe couleur. C'est rigolo ça, non? C'est très pratique. Très très pratique ce genre de truc. J'avais dit que je m'arrêtais, je fais une dernière bricole. On peut sélectionner plusieurs éléments. Par exemple, si j'ai envie de mettre un style à toutes les balises P qu'ont l'élément couleur et à toutes les balises strong qu'ont la classe test. Il y a toutes les balises strong qui ont la classe test. Dans ces cas-là, je vais mettre une virgule et je vais faire comme ceci. Dorénavant, ce style-là va s'appliquer à toutes les balises P qui ont la classe couleur et à toutes les balises strong qui ont la classe test. L'une et l'autre. Si je ne mettais pas la virgule, ça va exiger. On va le faire après. Si je mets pas la virgule, on va faire après, voir ce qui se passe. Donc dorénavant, ça a bien sélectionné les balises P qui ont l'élément couleur. Celle-là ne l'a pas, celle-là là. Et les balises strong qui ont l'élément test. Et non pas couleur. Si j'avais mis couleur ici, et non pas test, ça n'aurait pas fonctionné. Parce qu'elle n'est pas P couleur et elle n'est pas strong test. Vous voyez? Si j'avais oublié la virgule, dans ces cas-là, ça va sélectionner toutes les balises strong avec la classe test qui sont dans des balises P avec la classe couleur. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a aucune. Par contre, si ma balise strong ici, je la déplace à l'intérieur d'une balise P qui a une classe couleur, dans ces cas-là, elle va pouvoir être sélectionnée. Uniquement la balise strong. En revanche, si ma classe strong, elle avait été dans une balise P qui n'a pas la classe couleur, comme c'est le cas par exemple ici, ou même ici, qui n'a pas de classe tout court, dans ces cas-là, ma balise strong n'aurait pas changé de comportement. Elle serait restée en blanc. Tout simplement. Enfin, tout simplement, non, j'ai l'habitude, donc forcément c'est tout simplement, mais voilà comment ça marche. Voilà! C'était velu! Le CSS, ça permet vraiment de faire un paquet de trucs. Ça permet de faire énormément de choses et on en a juste effleuré la surface puisqu'on peut faire des animations, on peut faire encore beaucoup de choses, je vais pas tout vous dévoiler. On peut modifier tous les comportements graphiques d'une page, on peut les modifier grâce au CSS. Donc c'est vraiment fou. On peut déplacer les éléments, on peut les sélectionner dans certains contextes, etc., etc. On peut faire vraiment énormément de trucs. Et du coup, ce qu'on va découvrir la semaine prochaine, ça va être le JavaScript. Le JavaScript, pour le coup, c'est un vrai langage de programmation. Donc si vous avez suivi le tuto Arduino, ça va vous rappeler des trucs, puisqu'on va retrouver les structures if, else, les variables, etc., etc., etc. Le JavaScript, c'est un langage de programmation qui est fait pour fonctionner dans les navigateurs. Qui est fait pour fonctionner dans le navigateur de votre page internet. Grâce à ce langage de programmation, vous allez pouvoir sélectionner des éléments sur votre page et par exemple leur rajouter une classe à la volée ou réagir quand quelqu'un vient cliquer. Donc si quelqu'un clique sur un élément, vous pouvez récupérer ce clic et faire une action en conséquence. Par exemple, rajouter une classe, par exemple, déplacer l'élément en modifiant sa position, etc., etc. On peut faire énormément de trucs. Vous pouvez soumettre des formulaires, vous pouvez faire vraiment un paquet de trucs. Le JavaScript, c'est vraiment le moteur des pages web. Puisque sans lui, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qui est animation un peu complexe, soumission de formulaire, modifier le rendu quand une donnée est renvoyée, des choses comme ça, ou même faire des jeux dans le navigateur, etc. Tout ça, c'est grâce au JavaScript, et le navigateur sait travailler avec ce langage de programmation, et c'est le seul. On ne peut pas utiliser d'autres langages de programmation dans un navigateur,
Donc vraiment, pour manipuler les éléments qui sont dans la page, que le JavaScript. Il y a uniquement le JavaScript qui est disponible pour faire ça. C'est le seul. C'est comme ça. Donc la semaine prochaine, on va faire une petite intro sur le JavaScript. Pourquoi petite? Parce qu'en fait, vous vous en doutez, comme c'est le seul langage qui permet de faire des choses, bah, il est méga développé. Il est méga poussé, les gens l'ont poussé, et continuent d'ailleurs à le pousser à bout, vraiment pour faire énormément de trucs avec. Et donc du coup, on peut faire vraiment des choses très 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 compliquées avec. Donc on va y aller mollo, on va découvrir les concepts de base, comment manipuler les éléments qui sont dans notre page web, voir donc à quoi ça sert et comment ça marche. On verra tout ça en introduction la semaine prochaine. Combien d'épisodes sur le développement web, demande Jean Paz. Eh bien, je n'en sais rien. J'ai une petite idée de ce que je veux vous faire découvrir. Et en fonction de... Je m'arrêterai quand la difficulté va commencer à devenir un peu trop compliquée à expliquer. Je suis clairement pas enseignant. Là, je suis pas enseignant, déjà, de manière générale. Je fais ça parce que j'aime bien faire ça. Et... arrive un moment, on va arriver dans les limites de ma capacité à vulgariser et à être pédagogique sur le sujet. Donc à partir de là, je vous le dirai et je vais pas essayer de me vanter en faisant des trucs que je sais pas faire. Par contre, je connais des gens qui savent le faire. Alors s'ils veulent se lancer, je sais pas Vicky si t'es encore là, mais si jamais t'as envie de t'en lancer dans le streaming pour enseigner le web, bah, tu pourras peut-être prendre le relais à ce moment-là. Un temps, on pouvait utiliser du Visual Basic au lieu du JS. Ah ouais? Ah, c'était les objets ActiveX? Non, c'était un truc comme ça? À peu près. Oh, je sais pas, là, on est parti, on a commencé la semaine dernière. On est quoi? On est un peu plus de mi-février. Oh, je pense qu'on est là pour 2-3 mois quand même. Je pense qu'on est là jusqu'à... courant mai? Je pense. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse... Alors, je vous avais demandé la semaine dernière, mais personne m'a trouvé d'idée... de construire un fil rouge et qu'on essaie de réaliser une application. Donc dès qu'on a vu cette introduction en JavaScript, je mettrai en place un fil rouge. On va se mettre une petite idée d'application et on va essayer de développer une petite application web pour manipuler les différents concepts, donc le concept de HTML, CSS et JavaScript. Ce qui serait bien, c'est qu'un jour ou l'autre, on voit un langage serveur, mais ça viendra après. Du coup, on m'a proposé de faire un cycle sur le Python et ça pourrait être une idée après le langage web. Donc on va voir, je sais pas encore comment on va s'y prendre. Pour l'instant, on va se contenter de faire une petite application web, voir principalement les côtés front, donc c'est-à-dire la manipulation de la page web en elle-même. Donc on va voir comment ça va se passer. On verra pas, j'y réfléchis depuis la semaine dernière, parce qu'on m'avait posé la question la semaine dernière, on verra pas immédiatement de langage serveur, c'est-à-dire de un truc avec lequel on est capable d'échanger des données. On sera capable d'aller chercher des données sur d'autres éléments, mais on va pas gérer nous-mêmes le serveur pour l'instant, ça on le fera plus tard. Dans un autre cycle. Créer une dashboard pour un streamer. Eh bien, magnifique transition de la part de Melkorat. Je t'en félicite et je t'en remercie. Alors sachez que donc moi depuis plusieurs moments, depuis un petit moment maintenant, moi je me suis reconverti en fait dans la programmation web. À la base, c'est pas mon métier. J'étais informaticien. Je faisais du développement, mais pas spécifiquement du développement web. Et donc depuis un moment, je me suis reconverti là-dedans. Et actuellement, il n'y aura probablement pas de PHP. J'en ai pas fait depuis tellement longtemps que je n'enseignerai pas le PHP. Actuellement, je suis en train de développer un produit qui s'appelle DekiDeki. DekiDeki, qui s'écrit comme ça. DekiDeki. Qui s'appelle DekiDeki et qui permet de manipuler un stream à distance avec une tablette, etc., etc. C'est ce que je fais quand je suis en live, en fait, ici. Et ben, j'ai ce petit outil sous les yeux qui me permet de basculer... Alors, il faut que je fasse des clics qui me permettent, vous voyez, par exemple, de basculer entre différents trucs. Donc, c'est piloté grâce à la tablette. Et ça, ce que vous voyez là, c'est une application web. Là, je suis dans un navigateur web. Et donc, je pilote depuis une application web mon stream. Donc, je vous passe un peu les détails de toute la magie qui a lieu derrière ça. Mais c'est vachement pratique et c'est un produit que je suis en train de lancer. Et en ce moment, grâce à une superbe idée de ce cher Pampa, de Pampa TV, qui est un autre streamer qui aussi fait de la programmation web, je me suis lancé moi aussi dans des streams où je code mon programme, donc je travaille en fait, hein, devant et je travaille en stream. Et donc ça fait quelques jours qu'on a fait ça et c'est plutôt chouette parce que vous êtes plusieurs à être intéressés par l'initiative, à m'avoir rejoint le... Donc principalement je fais ça le matin en général, généralement j'arrête vers 13-14 heures et pour garder une partie en fait l'après-midi où je peux faire des choses...
soit plus administrative, soit faire des recherches qui seraient pas intéressantes à faire en stream, parce que recherche sur les parties légales ou des trucs comme ça, donc je peux pas vraiment les faire en stream, ça a rien de passionnant. Donc je me garde, je fais la partie programmation le matin, un peu de programmation l'après-midi off, mais moins. Et du coup, bah, on fait ça et ça se passe plutôt bien, c'est plutôt intéressant, il y a eu des retours plutôt intéressants, des propositions, des suggestions, etc. Donc c'était plutôt chouette. Donc si ça vous intéresse, demain mercredi et jeudi, je serai encore en stream pour continuer à programmer cette application devant vous, avec vous même si je puis dire. Et vendredi, on fera peut-être un truc différent. En général, on se faisait une petite partie de jeu, donc on fera peut-être ça. Merci Topafox, c'est gentil. Et du coup, on va continuer comme ça. Là, l'application, elle est bien avancée. Normalement, elle est accessible presque. Je cache un peu l'accès publiquement déjà à l'adresse que je viens de donner. Et elle sera vraiment accessible publiquement le 1er mars. Enfin, le 2 mars, parce que je ne vais pas mettre en ligne un dimanche. Donc le 2 mars, lundi, on fera la diffusion. La semaine prochaine, si tout se passe bien, normalement, la semaine prochaine, on fera la mise en production. Donc s'il y en a que ça intéresse, tout ce qui est côté serveur, etc., etc., bah, la semaine prochaine, on va faire ça. On va se connecter un serveur, on va aller mettre en place la configuration du serveur pour mettre en ligne le site, etc., etc. Ouais, j'en parlerai, mais petit à petit, tu te rends compte que ça fait beaucoup d'outils. Là, déjà, on a vu pas mal de, enfin, des choses, c'est pas forcément complexe, mais ça fait beaucoup de données à assimiler en deux sessions, le HTML et le CSS, de la façon dont on l'a vu. J'ai pas envie d'aller trop vite, donc oui, je parlerai de l'inspecteur, mais plus tard. Donc voilà, la semaine prochaine, normalement la semaine prochaine, si demain et après-demain ça se passe bien, début de semaine prochaine, on va peut-être coder encore un peu, mais courant de semaine prochaine, on va faire de la mise en service, donc on va faire de la mise en ligne sur un vrai serveur. Donc là, il y a déjà un serveur qui héberge la version de test, mais on va tout remettre à zéro sur un vrai serveur pour tout héberger, pour que tout le monde puisse aller jouer avec les données et pour avoir un accès public. Donc n'importe qui pourra se connecter sur l'application et l'utiliser pour ses propres streams. Donc si vous êtes streamer, vous pouvez déjà accéder à la version de démo, vous me contactez, je vous envoie le lien. Parce que dekidekid.com, ça suffit pas, vous n'aurez qu'à accès qu'à la page de présentation. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, du coup, il y aura accès. Enfin, la fin de la semaine prochaine, début de semaine suivante, il y aura accès vraiment publiquement à l'ensemble de l'application. C'est le frisson, parce qu'après, il va falloir que je travaille à ce que ça soit connu, etc., etc. Alors, je suis pas pro-pub, mais vous verrez sûrement... Alors, je peux pas vous montrer avec mes petits doigts, vous verrez sûrement en dessous de ma caméra, en bas de la page ici, vous verrez sûrement un truc Powered by Deki ou des trucs comme ça pour que, bah après, pour vous qui êtes en train de regarder sur YouTube actuellement, vous puissiez connaître l'outil, en parler autour de vous. Et j'espère qu'avec un petit peu de bouche à oreille, ça sera connu. Je me rends compte en plus que je me suis complètement vautré et j'ai pas du tout changé le titre du stream par rapport à ce matin. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Tant pis. Vous me ferez de la pub, bah ça sera gentil, vraiment, parce que en fait, ce qui se passe actuellement, pour tout vous dire, là à l'heure actuelle, moi je suis freelance, donc je travaille, je trouve des missions quand je peux, ou je travaille sur justement Deki, et mes seules sources de revenus, c'est ça, c'est les quelques subs qu'il y a sur la chaîne, de la pub qu'il y a sur mon blog, et les quelques missions que je trouve à droite à gauche quand je suis pas en train de travailler sur Deki, quand quelqu'un veut me faire travailler. Et donc j'ai espoir que Deki, il y aura une formule de gratuite, et il y aura aussi une formule payante pour avoir quelques fonctionnalités en plus, pour débloquer quelques fonctionnalités. Le cœur du truc sera gratuit. Et j'ai espoir que avoir un petit peu de clientèle pour que justement pouvoir me générer un petit salaire grâce au produit. Donc, si vous pouvez faire de la pub, avoir un bouche à oreille qui prend place, ça serait super quoi. En soi, une application comme ça, avec un bon petit coup de pub au lancement, peut vraiment marcher. Mais je pense, enfin en tout cas moi j'y crois. J'y crois assez dur, j'y crois assez fort. Qu'il y a un coup à jouer, que c'est... je viens boucher il y a un manque au niveau applicatif pour les streamers qui est celui-ci. Il existe des produits hein, qui font déjà ce que je suis en train de faire, mais soit ils sont pas assez complets, soit ils sont très chers. Je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai développé ce produit-là, pour qu'il comble ce manque. Et donc, avec un peu de bonne promotion, effectivement, j'ai espoir que ça puisse fonctionner. Donc on verra bien. Faut que le produit fonctionne correctement, et ça je fais tout pour. Et il faut qu'après, bah, les utilisateurs se l'approprient en fait et soient satisfaits du truc. Donc j'ai essayé d'avoir des retours déjà en soumettant ça à quelques personnes. Et on verra bien après ce que les gens en pensent. Les petits rappels. Donc les vidéos seront sur la chaîne YouTube à la fin de la semaine. Week-end, ça dépend comment je suis motivé, comment je m'organise. Il y a le Twitter pour avoir les informations. Le Twitter, donc tout ça, vous voyez.
Ça, je suis en train de cliquer sur les touches. J'ai fait quoi? J'ai fait le YouTube. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez passer hop sur le Discord. Et c'est tout, parce que sur le blog ça vous intéressera pas forcément, puisque j'ai plus de contenu écrit par rapport à la programmation web sur mon blog. C'est beau. Ça marche bien, je suis content. Et puis c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis vraiment bête d'avoir oublié de changer de titre. C'est vraiment dommage. Tant pis. Et sinon, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne semaine. Si vous voulez passer faire un petit coucou demain matin ou pendant votre pause du midi ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, normalement je serai en ligne. Et sinon, d'ici là, peut-être vendredi matin pour le stream jeu, qui sera le stream du jeu épique du moment. Alors, je me rappelle plus, c'est un jeu de cartes, je crois, quelque chose comme ça. On verra bien. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end. Et s'il y a uniquement les tutos qui vous intéressent, bah, on se revoit mardi prochain pour parler JavaScript. Pareil, mardi soir, 21h15. C'est quoi le programme pour les streams? Eh bien, comme je disais, donc demain matin, jeudi matin, on va continuer à faire de la programmation. J'ai pas de stream en soirée en général. Et sinon, vendredi matin, on fait souvent le vendredi matin, je me cale un stream vendredi matin plus un stream jeu pour que justement je puisse un peu tester l'application. Généralement, quand je fais un stream jeu, je clique un peu plus sur les boutons, je déclenche les actions un peu plus, etc. Donc ça me permet de tester que tout fonctionne bien. Il y a plus d'activité dans le chat ou des trucs comme ça. Donc ça me permet d'avoir un peu plus d'activité à ce niveau-là. Donc en général, je fais un stream le vendredi matin qui me permet de me détendre, de passer un bon moment avec vous et surtout de tester aussi le produit et vérifier que tout fonctionne. Donc il y a un stream jeu le vendredi matin. Et après lundi on reprendra avec des stream code et le mardi soir des streams, le stream tuto. Voilà. Comment on fait pour avoir mon t-shirt? Eh bien c'est une pièce unique. Je l'ai fait sur mesure. Donc tu ne peux pas. Ah, et pour ceux que ça intéresse aussi, on m'a posé des questions par rapport à Tipeee, etc. Parce qu'on m'a dit que... Enfin, on a fait une très bonne remarque, on m'a demandé combien Twitch prenait sur les subs. Et les subs, c'est 50% Twitch, 50% moi. Donc si ça vous intéresse, je vais peut-être lancer un Tipeee qui aura plus de rentabilité, en quelque sorte, si vous voulez participer à la chaîne, si vous voulez me remercier pour les cours et des trucs comme ça. Donc comme je disais tout à l'heure, moi, c'est une partie de mon salaire provient en quelque sorte de genre de choses. Donc je remercie à tous ceux qui subent. Ceux qui peuvent pas, c'est pas grave. Vous avez le droit aussi de pas pouvoir. Moi j'ai été étudiant, j'ai été jeune aussi à une époque, j'aurais pas pu m'abonner non plus à la chaîne Twitch. Vous avez le droit de pas vouloir ou de pas pouvoir. Chacun fait comme il veut. Mais je vous remercie d'avance pour tous ceux qui le font. Et je vais peut-être lancer du coup un Tipeee, parce qu'on m'a dit que ça pourrait être une bonne idée. Donc moi je connais pas trop Tipeee. Je sais pas si je vais essayer. On verra bien. Faut que je regarde un peu comment ça marche. Donc il y aura peut-être un Tipeee bientôt. C'était toi Jean Paz qui a proposé Tipeee, merci de l'idée, je vais essayer de le faire. J'ai regardé un petit peu, en fait il y a un souci par contre, c'est que moi je fais que des produits virtuels, donc je sais pas trop quoi vous donner comme contrepartie, parce que je fais pas d'œuvres d'art, moi je fais des vidéos pédagogiques, alors à part dire merci à machin, merci à truc, je sais pas comment vous remercier. Donc c'est délicat, je sais pas trop je sais pas ce qui se fait, faudrait que j'aille voir chez la concurrence, chez des vulgarisateurs YouTube ou des trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils font comme contrepartie, j'allais leur piquer leurs idées. Mais du coup, peut-être qu'il y aura un petit logo Tipeee qui va apparaître bientôt. Peut-être. L'idée était pas mauvaise en tout cas. Je l'ai bien noté. Enfin voilà. Merci encore à tous d'être passés, de m'avoir écouté, de votre intérêt. Il n'y a pas eu beaucoup de questions ce soir, donc j'espère que les choses ont quand même été comprises, que les choses ont été claires. Ah ouais? Bon, on cherchera une alternative alors. LiberaPay, c'est pareil? Non, LiberaPay, c'est le PayPal, c'est l'alternative à PayPal. Après, Tipeee, ils ont une pignon sur rue, quoi. Ils sont connus, donc c'est rassurant d'aller chez Tipeee, en quelque sorte, tu vois. Mais c'est vrai que s'ils n'ont pas de super éthique, c'est dommage. Moi, je connais pas, hein. Vraiment, toutes les solutions, tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait de manière gratuite. Donc j'ai jamais trop cherché des solutions de rémunération. Il y a juste un lien PayPal sur la page de l'ebook sur le blog. Hop, c'est l'occasion de le placer. Sur la page sur le blog. Et c'est tout. J'ai reçu souvent des dons sur le PayPal grâce au blog. Mais c'est vrai que j'ai jamais cherché non plus à
on va dire, à rentabiliser mes cours, j'ai jamais vendu de bouquins. On m'a dit aussi que j'aurais pu mettre mes cours sur des plateformes comme Udemy ou des trucs comme ça pour gagner de l'argent, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que bah voilà, ça me fait plaisir. Moi, c'est grâce à des blogs en ligne aussi que j'ai pu apprendre des choses, etc. Donc c'est ma façon aussi de redonner l'appareil, quoi. Donc chacun fait comme il veut. Si vous pouvez, vous voulez, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Et puis c'est pas grave, je tiens pas un livre des comptes de qui a fait quoi. Hein. C'est vrai qu'il y a Utip, t'as raison. C'est vrai qu'il y a Utip. En plus, j'ai un compte Utip. Je crois. Faut que je le retrouve. Attends, j'avais un compte Utip. J'ai jamais mis en service. Pauvre. C'est bien Utip, vous aimez bien, vous connaissez ou pas? Utip. Se connecter. Maintenant que je suis une vraie star de l'internet, ça peut valoir le coup. Hein. Mais oui, effectivement. Comment ça marche? Ma communauté, mes activités, mon compte, notification, guide du créateur. Comment je vous donne l'accès à mon Utip? C'est quoi? Faire comme ça, Utip Eskimo? Ça marche ça ou pas? Bon ben voilà. Et ben on va faire ça. À la place d'un Tipeee, si tu me dis que Utip c'est mieux que Tipeee. En plus, Utip c'est pas français? Non, c'est pas français, je crois que c'est tout son. Cocorico. Je vais rajouter une action, Utip. Comme ça sera stylé. Et donc c'est bien Utip par rapport à Tipeee, vous aimez bien vous? Je connais pas trop hein. Que je lance un sondage, je vais faire ça, je vais tester les fonctionnalités de YouTube. Sur YouTube, il y a aussi. Sur YouTube, j'ai découvert qu'il y avait des... on pouvait faire des petits trucs de sondage et des trucs comme ça. Je connais pas trop. Bah du coup on va faire ça, le Utip. Hello les youtubeurs. Bah du coup faut que je modifie la page parce que pour l'instant elle est moche. Hein. Enfin elle est moche, c'est la même chose que partout quoi. Créer votre shop pour vendre vos créations. Mais oui, mais moi c'est pas relou, c'est que je fais pas de création moi. Hein. Connecter mes réseaux. Ah. YouTube. Sélectionner. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. On va pouvoir ajouter tous ces petits mondes. Twitch. Authorize. Est-ce que je rajoute mon Twitter? Est-ce bien nécessaire? Est-ce que je rajoute mon Discord? Ça sert à quoi? Pour récupérer le contenu posté. Ouais, mais si vous voulez connaître mon Twitter, vous allez sur mon Twitter. Ah, par contre, je peux... Ah, mais du coup, si je relis mon Discord, vous pouvez avoir un rôle. Ah, si vous voulez être Fire Tipper. On va faire ça. Authentification à deux facteurs. Authentifiant à deux facteurs. Hop. Bam! Ah, c'est un bot! Sélectionner un bot. Ça va. Il peut faire tout ça. Ah bah super. Allez. Et bah voilà. Quel espèce créateur de folie. Il faut que je crée un rôle. Si quelqu'un peut créer un rôle. Voilà. Crée-moi un rôle Fire Tipper. D'accord. Ouais, c'est pas mal tout ça. Chez Eskimo, ça c'est bien. Paramètres du serveur. Rôle. Ce rôle est automatiquement géré. Viens là. Hop. Là, ça dégage. Enregistré. Hop, hop, et hop. Pas mal tout ça. Voilà, maintenant il y a un Utip. On va que je fasse une annonce à ce sujet. Bon.
Bon bah merci du. Merci de. C'est vrai, j'y pensais plus. Ouais, j'ai un tipeur. Vous perdez pas de temps. Du coup, j'ai 1 centime. Vous êtes efficace. Bon, allez, je vous embête pas plus longtemps. Il est temps d'aller dormir, il se fait tard. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Si vous voulez passer par ici demain, n'hésitez pas. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et sinon, bah, on se revoit dans un des nombreux streams. Je tâcherai de mettre à jour le titre correctement. J'ai oublié. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut, salut!